Peuple haïtien, peuple israélite, bonjour, c'est un plaisir pour nous avec vous matin, hein, pour nous continuer à étudier avec vous la parole de Dieu, spécialement sujet que nous entamons semaine ça, qui est basé sur la loi de Dieu, la loi de Yahweh, notre Dieu, notre libérateur. Avant de commencer, à prier pour nous invoquer la présence divine parmi nous. Papa, nous qui dans le ciel, là, grand Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es notre libérateur, mes petits devant, vous voulez tendre des paroles au matin. Parlez avec peuple qui a soif pour tendre des paroles. Avec nous, utilisez-nous comme vaisseau pour délivrer message avec peuple. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter un chant spécial. C'est un chant que l'Éternel inspire pour partager avec nous. C'est 520. 520 des hymnes et louanges. Nous besoin rele Jésus. Les ennemis en sorti pour les frapper nous. Les ennemis en sorti pour les détruire nous. C'est Jésus pour nous rele. C'est non ça que bon Dieu, que Yahweh fait nos cadeaux pour nous utiliser pour nous rele chalbarik des ennemis. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes le court. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus, suprême Samson, sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et pour toujours. Amen. Nous avons besoin de Jésus. N'a pas de missionnaire sur terrain. Priez plus que jamais. Rêlez Jésus plus que jamais. Nous avons besoin de Jésus. Parce que Emmian sorti pour l'attaquer MDC. Pour l'attaquer travail ministère des 10 commandements à faire sur terrain. L'Éternel te voit un message ba nous. Li dit nous éviter infiltration. Laissez-moi faire nous connaître. Gen infiltration sous terrain. Gen un groupe qui entré dans le sud. Gen un groupe qui entré spécialement au Kai. Qui a visité tout terrain que nous avons visité déjà. Tout côté nous travaille déjà. Dans tout l'hôpital au Kai côté nous passé déjà. Il a repassé sur toute trace nous et a défait travail nous fait. Ennemi en souterrain, ennemi en puissant et ennemi en rusé.
Nous devons prier plus que jamais. Ennemi a distribué 10 commandements, même 10 commandements, non? Il a utilisé tout, il a prêché tout, mais il a prêché message pas yo pour détourner le peuple bon Dieu. De la vraie route. Bon Dieu, relève-nous, Josué. Bon Dieu, relève-nous, ambassadeur, sentinelle. Nous devons rester en éveil. Sentinelle, pas capable de dormir. Les ennemis ont voulu monter sur le terrain, nous, sur le terrain de l'éternel là. C'est pour nous éveiller. L'éternel m'a dit que sentinelle là capable d'annoncer le peuple là. Les dangers à venir pour que le capable voir que c'est danger qui venir pour que il était loin danger. Et si danger arrivait peuple là parce que nous pas annoncer peuple là, l'Éternel dit l'a mouri, peuple l'a mouri et puis l'a mandé nos sang. Ça nous pas avec pour l'Éternel mandé nos sang. Nous rester éveillé et nous mettons au courant que l'ennemi a attaqué sérieusement dans le sud d'Haïti actuellement semaine ça. Pas suivre l'ennemi, l'Éternel choisit MDC pour faire travail et l'Éternel dit nous, l'Éternel confirme nous qu'il est wendre MDC pour faire travail. Vous pensez nous qu'à monter sur terrain comme ça avec un ennemi qui est aussi puissant? Nous pas qu'à monter sur terrain comme ça. Mais l'Éternel garantit, il dit là-bas nos pouvoirs pour nous marcher sur le lion et sur l'aspic. Pour nous marcher, craser péristyle. C'est comme ça? Non! C'est avec la prière. L'Éternel dit, c'est sous votre nom pour nous rester. Nous avons demandé tout missionnaire 10 commandements. L'Éternel a 12 000 dans nous parmi nous, sous terre, sous terrain. Nous avons demandé tout 12 000 missionnaires. Restez éveillés et restez en prière. Parce que l'ennemi n'est pas venu pour le jouer. L'ennemi est venu pour le voler. Il est venu pour le voler. Pour le voler leader qui a dirigé 10 commandements. Il est venu pour le voler tout leader qui a bâillé l'éternel service. Les gens qui ont fait baptême sous terrain. L'ennemi est venu pour le voler. Yo. Mais nous n'avons pas dormi. Il faut nous rester éveillés. Pour nous prier. L'ennemi est venu pour le briser, pour le tuer. Mais l'Éternel n'est pas d'accord pour nous arrêter sans nous pas faire aucune action. Plein l'ennemi a écrasé le ministère des 10 commandements. Le ministère des 10 commandements. Pas mettre tête li. Nous allons mettre. Nous allons chercher sans mettre. C'est l'Éternel, le Saint d'Israël, qui choisit nous, qui voyait nous. Il va voir nous les mains vides. Il voyait nous très puissants sous terre. Il voulait nous armer. Armer jusqu'aux dents. L'Éternel armé nous pour nous faire travailler. Nous ne pouvons pas quitter l'ennemi à jouer avec nous. Nous allons mettre nous. Chaque soir, nous allons aller côté mettre nous. Pour nous capables de force. Pour nous frapper avec l'ennemi. Et nous ne pouvons pas faire back. Jamais nous ne pouvons pas faire back. C'est le vrai créateur là qui voyait nous. Ennemi a utilisé nos créateurs à tout. Parce que l'ennemi a c'est antichrist. Il utilise nos Yahweh. Il utilise poster du commandement l'éternel là. Il utilise l'identité israélite là. Mais leur fin accepte toi ça yo, leur entrée. Par contre, qui s'en prend. Leur tombe dans Tissetan. Leur tombe dans Ezili. Quoi qu'il te connaisse. L'on tombe dans la Vierge noire. Quoi qu'il te connaisse. L'ennemi a utilisé tout message de l'éternel là, superficiellement, pour le capable de prendre en otage, pour venir adorer, pour venir agenouiller devant. Quel est-ce que vous pensez, l'ennemi a venu avec un code noir devant vous, pour vous agenouiller? Non! Elle m'y entre dans une femme et puis il faut agenouiller devant. Aussi simple, oui.
Elle est entrée, elle habite dans une femme, et puis il ne faut pas genouiller devant. Il ne faut pas adorer. Au lieu qu'on adore le vrai créateur là, en esprit et en vérité. C'est des annonces MDG pour nous matin. Elle a choisi MDC pour faire travail. C'est MDC qui vient pour faire nomination. Nomination égale élection. Comme l'Éternel n'a pas utilisé le terme élection que le peuple haïtien est habitué avec lui, l'Éternel utilise le terme nomination que nous utilisons dans l'Église côté nous sortis. Ce terme ça l'Éternel utilise, nomination. C'est MDC qui est responsable pour faire nomination. Si bon Dieu parle avant, il choisit pour servir le peuple, ou bien pour voyer CV, résumé, dans email adresse ça, deliverancehaiti10@gmail.com. Et après catastrophe, le conseil de nomination, composé de 13 membres, a réuni pour choisir les leaders du pays. On ne pas même dit pour choisir, on dit pour réviser CV, tout leader que l'Éternel voyait pour diriger Haïti. L'Éternel dit la voie toute l'idée au bas nous dans MDC. C'est nous l'Éternel confié travail pour choisir toute l'idée pays là. L'Éternel déjà choisi mon cap reine Haïti là. L'Éternel déjà choisi premier ministre Haïti là. L'Éternel a choisi les 13 membres du comité de nomination ou comme vous m'aurez le comité électoral. Mais l'Éternel a choisi les 13 membres du comité électoral pour le royaume d'Haïti. L'Éternel n'a pas joué. L'Éternel promet l'a délivré Haïti, l'a délivré Haïti. L'Éternel n'a pas joué. L'Éternel a fait tout bagay qui est en place. Yo. C'est la catastrophe là d'Apton. Depuis la catastrophe là fin passé là, ou après tout serviteur, tout membre MDC que l'Éternel by charge pour prendre responsabilité yo, y a souterrain, y a prendre responsabilité yo. Haïti a délivré. Pas qu'il fait back dans ça. Haïti a délivré au nom de Jésus, au nom de Yahweh. Notre divin créateur, Haïti a délivré et tout ça qui faut. Si yo pas converti, l'Éternel dit sans bat glo y a joué une tête yo. Se refuser converti ou choisir pour persécuter serviteur bon Dieu souterrain en bas de l'eau après connaître tout. Ou père des convertis, il va chanter trop tard pour choisir la bonne part. On prie. On continue à prier. On continue à invoquer la présence divine pour chasser tout faux. Qui voulait paraître comme si c'est il a porté message MDC à tout. Tout le monde l'Éternel dit que la voie il a venu joindre à nous dans MDC. Pas grand monde qui vrai souterrain qui pas venir joindre MDC. Tout ça qui vrai a venu joindre MDC. Pas grand jouet dans ça. Pas jouer à ennemi. Ni pour Dieu, nous n'avons pas joué tout. On entre dans le message aujourd'hui. On peut d'abord être fini. Parce qu'il faut nous faire rappel ça. La loi de Dieu dans le Nouveau Testament. Pour tout le monde qui dit que nous connaissons la loi seulement dans l'Ancien Testament. La loi pas seulement dans l'Ancien Testament. La loi est aussi dans le Nouveau Testament. Jésus vint pour libérer les hommes et les femmes du joug de l'esclavage. Paul déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affermis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En Galates 5, verset 1er. Plusieurs passages de l'Écriture font allusion au joug de la servitude qui a été imposé et qui était dur à porter. Les pharisiens,
les docteurs de la loi, dans le temps de Jésus-Christ, ils ont imposé au peuple une série de lois lourdes. Et puis eux-mêmes, ils ont appris Dieu la vie. Ils ont mis le peuple sur le joug de la servitude. Ils ont forcé le peuple à faire une série de bagailles que le peuple a fait. Mais Jésus est venu pour te faire explication, pour te libérer le peuple du joug de la servitude. Même aujourd'hui, Yahweh est venu pour libérer nous de la servitude. Il dit physiquement, nous en esclavage. Mentalement, spirituellement, nous en esclavage. Yahweh choisi pour libérer nous de cet esclavage. Et des fois, ces frères ou sœurs qui mettent en esclavage. Parce que eux-mêmes, ils mettent des $3,000 dans la poche et puis ils choisissent pour opprimer. Regardez le pays, nous. Regardez le pays, nous. Bon Dieu, ils touchent, oui. Ils touchent. Pour faire le pays, nous, pour garder le pays, nous, dans la situation. Ça. Et qui est-ce qui a enrichi, qui a fait richesse, oui, pendant que le pays a, ou pas qu'à monter, ou pas qu'à descendre là-dedans. So, Jésus-Christ est venu pour te libérer, peuple là. Du jour de l'esclavage. Et c'est ainsi qu'il t'a cité commandement. Ok? Jésus-Christ t'a cité commandement. Ok? So, lequel des 10 commandements pouvait être supprimé? Est-ce que y a un 10 commandement qu'on pensait que ou t'es qu'à supprimer? L'église protestante, nous connaissons très bien, nous connaissons tout. Donc, des fois, nous voulons supprimer le commandement. Et le commandement, nous rêvons pour nous supprimer, c'est le quatrième commandement. L'autre ami qui était dans la Vierge Marie, nous connaissons le commandement, nous voulons supprimer, c'est le deuxième commandement. Nous avons retiré le deuxième commandement pour nous continuer à adorer l'idole. Mais, anyway, est-ce qu'il est possible pour nous faire ça? Nous ne pouvons pas faire ça. L'Éternel dit, si vous gardez 9 commandements, vous retirez un seul, vous faites 0. C'est comme si vous n'avez pas gardé aucun des 10 commandements. Vous retirez un seul. Ok? Sou ta dit premier a? Non. Premier a, c'est lui-même qui dit que ou pas kap gen plusieurs dieux. Sou li éviter le polythéisme. Sou premier a, ou pas kap éliminer. Deuxième non, ou pas kap éliminer. C'est lui qui empêche ou adorer idol yo. Ok? Troisième non, c'est moun ki reme fè semen yo. Pa nomen nou bon Dieu envers. Pas sémanté. Et qui ça Jésus-Christ dit? Qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 34, « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement. » Troisième commandement, Jésus-Christ répète dans le Nouveau Testament. « Mais moi, dans Matthieu 5, verset 34, Jésus-Christ dit, « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement. » Ni par le ciel, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, ni par la ville Jérusalem. Que des fois, oui, ici, en lui-même, il s'est monté sous tête pâle. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Troisième commandement, oui. Jésus-Christ fait allusion avec lui. Il dit pas fait serment. So pas nommer nos bon Dieu en vain en serment yo. Haïtien, non compte qui serment nous habitué fait. Pas vrai? Nous relé l'oreille là pour venir ceci, pour venir l'autre bord, avait dit n'a sermenté pour le ciel. Nous relé l'orage yo, you know? Il dit pas fait serment ni pas ciel là parce que c'est trop de bon Dieu. Pas sermenté ni sur la terre. Pas utiliser terre là pour faire serment. Prêter terre là comme appui pour ses mains, parce que c'est marche-pied l'Éternel,
pas sémenter ni pas pays là. OK? Parce que c'est ville du grand roi. Haïti aussi c'est la ville du grand roi. Haïti t'est relé au commencement Kiskeya. Kiskeya signifie Kiske signifie trône de Ya, c'est l'Éternel Yahweh. Kiskeya, le trône du Dieu Yah. Le trône de Yahweh. OK? Pas toujours bado petit rappel qui Jean Haïti signifie le trône du Dieu Yahweh. OK, le vrai Dieu. So, pas de monde qui habite pour Haïti là. Pas de monde qui habite pour Haïti là pour dire oh, c'est qu'il tino. C'est vaudou. C'est ça nous habitué. C'est ça n'a professé. C'est vaudou, c'est qu'il tino. Pas rien à faire, c'est qu'il tino. C'est ça n'a professé. Non, Haïti va jump et qu'il tire vaudou. C'est vieux mess nous racheter en Afrique. Vieux mess nous racheter dans Canaan. Kay voisin qui te rete habité dans mitan nous. Nous prenons vieux mess la kayo. Nous entrons dans mitan nous. Et puis c'est ça que fait l'été là. Kale nous comme ça. L'été là. Kale nous. Amos 3 verset 2. L'été là dit ma kale ou pour indikito. Parce que je choisis pour être un peuple spécial. Je choisis pour être un peuple en sacerdoce royal. Un peuple de sacrificateur. Et puis, ou laissons emporter pour les messes de voisins. Ou prend vaudou, ou prend Baal, ou prend Lucifer, ou prend choisir pour adorer Dieu Lucifer là qui présentait son paquet de démons, un paquet de mauvais esprits. Esprit, Ezili Dantor, Ezili Freda, garçon, femme, ça va coucher avec nous dans la nuit. Pour moi, qui a un problème, ça va tout faire mon petit cadeau. Récitez 10 commandements chaque soir, dans le chameau, devant le cabanon, et pour me connaître qui Ezili qui a venu dormir avant. Et puis, mettez dans l'application. Besoin de qui Ezili qui a permis de venir dormir avant dans le chameau. OK, quitte les garçons, quitte les femmes. Bon Dieu nous a tout puissant, il va notre protection. Dis comment bon l'Éternel dit ses âmes nous comme chrétiens. OK? So, Jésus-Christ t'est observé aussi quatrième commandement. Jésus-Christ fait rappel de quatrième du commandement dans le Nouveau Testament. Si on va éliminer le quatrième commandement. Si on élimine le quatrième commandement, on peut dire plus gros bénédiction que possible. Parce que l'ennemi a voulu faire croire que c'est dans 5 jours sorti. C'est le quatrième commandement pour sauver la vie, qui vous délivre. OK? Jésus-Christ, pas seulement t'es invoqué, fait rappel à quatrième commandement dans le Nouveau Testament, mentionné là. Mais Jésus-Christ a gardé le sabbat. Si Jésus-Christ a gardé le sabbat, et puis nous-mêmes, nous sommes nous chrétiens, nous sommes disciples de Jésus, donc nous avons besoin d'obéir et garder le quatrième commandement. Pas oublier Jésus-Christ dit, tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Dans le Nouveau Testament. OK? So, Jésus-Christ, dans Luc 4, verset 16 à 18, on lit, ça le dit. Il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume. Pourquoi ça veut dire selon sa coutume? On bagaille, il était qu'on fait chaque jour dans la ville. On va qu'elle était habituée. On va qu'elle était levée la donne. C'est la donne qui grandit selon sa coutume. C'était normal. C'était rituel pâle. C'était coutume. C'est à ça qu'elle était habituée. Selon sa coutume. Il est entré
dans top là le jour du sabbat et puis lever pour faire lecture et puis au loge au livre bali pour faire lecture et qui livre loge bali qui livre déroulé bali le livre d'Esaïe. Imaginez que vous rentrez dans top là et vous prenez le livre et loge le livre baou et qui passage vous prenez le un passage qui parle de vous Jésus-Christ, oui. On passe à qui parler sous Jésus. Jésus-Christ prend l'île dans le livre d'Esaïe. So, il est levé pour faire lecture. Et puis, il déroule le livre là. C'était où l'eau? Par chemin. Qui était dans le temps ça? Il déroule le livre là, le livre du prophète Esaïe. Et puis, il commence à lire. Et puis, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Éternel dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, mais c'est parce que, pas qu'à parler de tête, l'Éternel n'a pas bon pouvoir ça. C'est même langage Jésus-Christ qui a utilisé tout, oui. Mais l'Éternel n'a pas bon pouvoir ça pour me présenter tête, oui. L'Éternel ouvre toute petite lion pour faire travail. Tout peuple, il tout missionnel yo, tout moindre pour faire travail là, pour annoncer la délivrance au peuple haïtien. L'Éternel, Jésus-Christ a appelé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Éternel, Jésus-Christ est obligé de dire ça, parce que moun yo pas de quoi, yo pas de connaître que c'est Messie qui parmi yo. Même j'ai dit à nous-mêmes les missionnaires des 10 commandements, nous portons message à Baou, mon pas quoi? Pourquoi? Nous obligeons à tout, mais ça l'Éternel dit. L'Éternel dit, les wed missionnaires qui ont parlé à voilà là, les wed pour annoncer ça qui va venir pour Haïti, pour annoncer qu'il y a une catastrophe, pour annoncer qui est souillé, identité au conseil juif. Et puis pour annoncer que après catastrophe, Haïti pourra le restaurer. Nous savons que l'Éternel pourra restaurer Haïti. L'Éternel pourra le mettre en nouveau royaume. L'Éternel pourra bailler toute construction Haïti. L'Éternel pourra bailler toute façon pour Haïti construire. Quand on peut construire le palais national, on va peut-être mettre le côté de l'Éternel déjà, non? On va déplacer. So, l'Éternel qui t'a pas instruction pour le palais national, instruction pour son temple, qui prend plus que 100 000 adorateurs. L'Éternel qui t'a pas toute direction, comment pour nous mettre le peuple dans la tente pour nous construire le pays. Parce que c'est le plus bel pays dans le monde qui va construire sur terre Haïti. L'Éternel qui t'a pas nous compter pour nous jouer de l'argent. L'Éternel fait nous mettre l'argent dans le dépôt. Nous même pour nous commencer à faire des boîtes secrètes par nous. À $22, à $50, à $250, ça nous gagne chaque mois, mettez de côté dans des boîtes secrètes par nous. Pour nous reconstruire Haïti. L'Éternel qui est en bas nos routes, quand pour nous extraire pétrole, extraire l'or. Ok? L'Éternel qui est en bas nos routes, sous par contre ça. Quand pour nous faire l'argent vini, pour nous reconstruire le pays. Faut dégager, oui, pour rentrer dans nouvelle Haïti. C'est un petit capital. Royaume qui va construire là, non? C'est gros affaire du haut niveau. Pas qu'il va jamais monter dans l'esprit de l'homme, oui, qui va le faire en Haïti là, oui. On retourne dans la Bible. Luc 4, verset 16 à 18. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel voyait espoir pour vous, tout oui, je dis. Il voyait missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume d'Haïti. La bonne nouvelle du royaume éternel aussi. Ok, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est pour ça, oui, bon Dieu, moi, Jésus, le voyait venir en personne.
Jésus-Christ en personne sur la terre, c'est Yahweh qui s'est fait chair, qui est descendu vers nous. C'est Yahweh qui prend forme humaine pour descendre à nous et pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Ou même qui est avec, je dis, qui pas ouais, qui perdu. L'Éternel voyait éclairer, voyait ouvrir grand jour. Faut qu'on ait qui est mis en juré pour Haïti pas délivré. Mais l'Éternel dit lui signer délivrance Haïti a déjà. Ennemi en mettre fait salve les faits. Ennemi en mettre paraître sous nom. Ennemi en mettre les têtes Yahweh. Ennemi en mettre paraître à 10 commandements. L'Éternel dit signer délivrance Haïti a déjà. Ennemi en pas faire un. L'ennemi en gagne 300 moun. L'Éternel gagne 12 000 moun pour défendre position, pour porter la délivrance, pour délier les chaînes des captifs, pour annoncer aux captifs la délivrance, la liberté, pour ouvrir grand genou, pour nous quitter Satan en repos, pour nous venir joindre l'Éternel. Visionne le vrai Dieu d'Israël, le vrai Dieu de la vie, le vrai Dieu de la résurrection des morts, pas le Dieu le Dieu de la résurrection. Mon capbano bat mes têtes en bas pour nous méfier. Yo. Tout le monde qui va vouloir mourir, il est toujours venu avec bagay tête en bas. La résurrection, l'Éternel parle. Jésus-Christ parle de la résurrection des morts. Ok? L'autre commandement, yo, nous presque pour nous finir. On prend cinquième commandement qui parle de l'amour pour nos parents. Dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, l'Éternel encore dit enfant. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est pas seulement nous dit. Non, c'est testament. Nous jouons que mon Dieu m'a dit pour nous honorer parents. Il retourne dans Ephésiens, il m'a dit pour nous honorer parents. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Quand cela est juste. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est celle commandement qui ont promesse à accompagner. OK? Respectez par parents, obéir, tendez. Pourvu que ça y a doula, c'est selon la Bible, c'est selon la volonté de Dieu. On connaît qu'il y a un foyer qui a un problème côté que parents qui a mal dirigé ou moins sous la Bible ou pas obéir. Et bon Dieu a comprendre, bon Dieu a d'accord avec. Mais dans un foyer normal, il dit au pays parents, c'est premier commandement avec une promesse pour qu'ils soient capables heureux sur la terre, pour qu'ils soient capables heureux dans le nouveau royaume d'Haïti. Ok? Et qu'ils soient capables de vivre longtemps sur la terre. Ok? Sixième commandement. Dans Exode, il dit pas tuer. Ok, qui ça Jésus-Christ dit lui-même? Dans Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, par le Sanhédrin. Et puis qui punit sur le Jésus-Christ dit, dans le feu de la GN, pour la go. Dans le feu de la GN. So, ouais. Nous ne pouvons pas violer, mais mon grain n'a dit commandement, non. Tout écrit encore. Jésus qui répète, il grain pas grain encore dans le Nouveau Testament. Ok? Et septième commandement, nous connaissons déjà. Dans l'église, quand il y a des marchés, il y a sorcier en bout. Il m'a dit, qui ça le fait? Et puis il dit, les violer, septième commandement. On ne dit pas qu'on biblio. Il m'a dit, qui ça le septième commandement? Qu'on est obligé
Si nous avons parlé en Daki, nous sommes obligés, pas qu'à parler en Daki, encore nous obligés de dire mot à mot, il fait adultère. Sont pas violé septième commandement, pas faire adultère. Paul dit que chaque monde est madame Paul, que chaque monde est mari Paul. Pas prendre ça pas pour pas pour madame l'autre là. Jésus-Christ était rentré avec femme là, femme samaritaine là. Il était dit pour la remettre mari pas pour lui. Nouveau Testament. Et nous connons l'autre reste commandement yo, OK? Dans Jacques 1er verset 25, il dit la loi de Dieu n'est pas le joug de la servitude, mais plutôt la loi de la liberté. OK? Pas parler mon mal, pas envier ça pas pour, pas faire ambition sur son pas gagner. Lis tout livre Jacques là tout pour pas prendre ça pas pour pas gagner envie sur pas l'autre là, pour pas parler l'autre là mal, pour pas faire médisance, pour pas faire mentir sur monde. Car c'est Satan qui est le père du mensonge. Mais l'Éternel lui dit, lui hell, l'Éternel dit, raille mensonge. Moi, j'aime tout, il me raille mensonge. Raille mensonge, même j'ai papa, Yahweh. So, moun qui pense que la loi de Dieu, yo, c'est un joug, c'est un servitude, c'est un fardeau lourd. Mais plutôt, David dit non, loi l'Éternel, yo, li léger. Mais pas occupé, leader l'église. Comme Jésus décrit les pharisiens qui mettaient un jour dur sous tête peuple là et puis ils voulaient pour peuple là dans Matthieu 23 verset 1 à 4 pharisiens yo Jésus-Christ a fait description ça côté qui mettaient un jour sous tête peuple là a poussé peuple là pour aller à l'extrême pour faire 10 pour faire date pour faire bagaille qui est impossible alors que eux-mêmes peut-être pas yo pas faire. Jésus-Christ est même rivé mandé dans sa ba si bête ou tombé dans un trou ou pas retirer si madame ou besoin accoucher ou pas prendre l'hôpital là ou l'hôpital là où est mon a travail ou dit oh ou travaille dans sa ba OK si pas de emploi dans l'hôpital là dans sa ba comment t'a fait madame ou vient accoucher so avait dit mon qui malade yo faut nous prendre soin yo dans sa ba pas occuper mon qui a pété jour servitude sous dos. Jésus-Christ dit, il est bon pour faire le bien dans le sabbat. Donc la bonne émergence, si s'il pas fait opération dans le sabbat, il a mouru. Faut pas l'hôpital là ouvrir pour faire opération dans le sabbat. Pour pas mourir. So, n'a pas gardé le sabbat, mais n'a pas respecté tout conseil que Jésus-Christ ba nous quand il s'agit de monde qui malade. Moun ki dans le besoin, moun ki dans cas d'urgence, n'a prend soin yo dans sabbat. Nou pa prend sabbat pour nous faire servir un joug de la servitude. Pe pa isye k'ap tande nou. Ou même qui dans place publique, ou même qui dans plein air, accompagné avec missionnaire di commandement yo. Comprendre pour qui sa bon Dieu voye message sabbat ou pour pa gen excuse, pour pa di que ti commandement c'est pour les juifs. Ti commandement c'est pour moi d'ancien temps. Mais ti commandement c'est pour où? Mais c'est où juif là? C'est où qui vrai juif là? Ti commandement c'est pour en premier. Et l'on fin gayen, il faut porter le bail étranger, il faut porter le bail voisin yo. OK? Voisin c'est notre pays yo, il parle qu'il y a tout pays à qui Israël. Puisque tout Haïti c'est Israël, son l'on fin les tout Haïti fin gayen ti commandement la calibre dans l'application. Pour la partager le bail voisin, bail l'autre pays dans le monde. Yo. Ça veut dire nous prenons des ambassadeurs dans le monde pour aller prêcher l'évangile. Parce que l'Éternel dit Haïti sera porteur de salut. OK? So, prends décision à soi. Prends décision pour servir l'Éternel pendant que vous obéissez à tout commandement. Bail missionnaire, non. Pour baptiser au nom de Yahweh, pour baptiser, pour prendre, pour faire un témoignage public que vous pas appartient avec ennemi encore, ou pas sous joug ennemi encore, mais ou sous joug Yahweh, le Saint d'Israël, vrai créateur qui voyait 12 000 missionnaires venir servir.
OK? Nous là pour nos bons services. Nous là pour nous obéir à la lettre à tout ça. Chef nous dit nous. Le vrai créateur de l'univers. Le vrai Dieu d'Israël. Il n'est pas qui t'ont tombé dans tout. Il n'est pas qui t'ont pris dans toi. Il est là pour l'éveiller. Il est là pour le guider. Il est là pour le faire clair. Dans la parole, dans la Bible. Il est là pour le pour vous. Il est là pour la parole pour vous. Il est là pour le précepte pour vous. Parce qu'il voulait faire où? Il voulait faire de où? Il y a un monde spécial. Il y a un sacerdoce royal. Il y a un royaume de sacrificateurs là en Haïti. Il voulait utiliser pour former un royaume de sacrificateurs, ça qu'il t'a parlé dans la parole, dans la Bible. Enregistrez-nous. Cherchez un missionnaire des commandements. Enregistrez-nous pour baptiser, pour prendre position pour Yahweh. Je dis amen. Que bon Dieu aide pour mettre ça en application, pour prendre la bonne décision pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen.